c'était un film de roi provençal incorporé. C'est parti! Alors la troisième course qui est bien partie. Hey, oh, là on vient de flipper le plus beau bajou de la soirée. Et il ferait brasser la carcasse. Ça c'est la voiture numéro 99 de Julien Goulet. En mouvement. On demanderait, s'il vous plaît, au cours de 4 cylindres de s'avancer immédiatement. Le véhicule 127, le 5, le 80, le 09, le 17, le 47, le 20 et le 37. Dans cette course de 8 cylindres, ça va toujours bien. Joe Dalton est au ralenti 354, c'est la voiture avant qui vient de se faire secouer. Ça en est fait pour le 357. Julien Goulet ne ménage pas son plus beau bazou. Il nous donne assez un bon show merci. C'est le char de son père en passant ce temps de soir-là. Mais on a fait un petit peu de sens justement. Ce qui est drôle de voir, c'est que dans l'auto 99, là, si vous avez la chance, les lumières dans le dash sont tous allumées. Vous pouvez dire, oh, elles sont toutes allumées. Oui, il y a des problèmes, les gars. Pendant qu'ils écoutent la station radiophonique, ça va être bon. Oui, ça va être bien, ils écoutent un gros intérêt. Hey, tantôt, je ne vous ai pas tous nommé les pilotes. Marco Borg, les pilotes à 98. Pascal Tanguay, 72. Sylvain Roy est dans le 88. Et Alain Vire, lui, qui est dans le 62. Et on les encourage malgré la pluie. Le bon temps s'en vient. Oh, monsieur le 85, là, il a perdu la tête. Oh, voilà. C'est pas terminé, cette course. Oh, voilà. Revenons à l'arrière. Là, on a le 72 qui s'est arrêté, sorti de son véhicule. Le 357, lui, qui est mort. Trois participants. Un officiel devant moi. Bon, c'est pas fini cette course, madame, monsieur. On aura une autre course, mon ami Stéphane, une course 4 cylindres, c'est très rapide, très spectaculaire, et on demandera au pilote 127, 5, 80, 17, 47, 20, 37 de s'avancer,
s'il vous plaît, pour la troisième course de la soirée. Surveillez le numéro 85. Alors là, c'est sûr et certain qu'il y en a un qui a des problèmes. Lequel? Ben là, on ne sait pas, on a vu de flamèche. Des étincelles, évidemment que courir le soir, ça a des avantages. Hey, à ça, là, courir, là. C'est déjà 5 minutes de passer dans cette course-là. Le 88, toujours en mouvement. Ça, c'est Sylvain Roy, 88. Hey, les gars, il y a de la place de ce côté-ci de la piste, là. Dépeignez-vous un peu, là. Le 98 est arrêté, le 85, ça va pas fort. Au moins, on manquait de gaz. Ouais, les gars, ils n'avaient pas prévu tout que ça durait aussi longtemps. La plupart des conducteurs ont mis le pneu puits, mais ça n'a pas changé grand-chose. Bon, il est parti, le 99, là, de Julien Boulet. Ah, il a trouvé à peine à la gaz. Stéphane, une petite joke en passant. Hein. Sais-tu c'est quoi ça fait une blonde entre deux brunes? Une blonde entre deux brunes? Ouais. Mmh. Une poche d'air. Oh, j'ai une blonde à côté de moi. Elle est en beau tabarouette, là. Oh! Hey, après-midi, j'étais avec Mario Blais, Michel, puis Mario Blais, il a pas de révérence. Ouais, il a mangé une méchante claque dans la face. Ah ouais? Ouais, il arrive, il était devant une fille, puis il dit à une fille, il dit, tu savais-tu que t'avais des petits seins magiques? Là, la fille, elle dit, comment ça, vous dites, oui, oui. Il dit, toi, t'es chanceux, t'as des petits seins magiques. Elle dit, comment ça? Elle dit, quand tu lèves les bras, ils disparaissent. C'est du bon Mario, ça, ça me surprend pas. Seulement en action, Maurice Stéphane, hein? Oui, le 89, Julien Goulet. Puis là, ben, je vois pas son numéro, là, il y a un peu trop de boucan. On a un show de boucan, comme on dit, Michelin Canada. Un nouveau commanditaire ici. Oh, Mario Blais ici. Beaucoup d'action, ce sera une course de 4 cylindres. Bon, le 99 semble avoir donné le dernier coup. Tous les autres sont arrêtés, mais là, le temps n'est pas complété. Donc, oh là là! Mario, l'animateur, il a parlé contre toi, Stéphane, mon ami Stéphane. Pas grand-chose, ah, on s'en va payer. C'est vrai, si la pluie continue, Mario Blais, vous allez être tous chez lui. Un petit pas-voix dans son logement. Ouais, on va payer une tâche, vite café. Est-ce qu'on va couronner nos gagnants de cette tour, mon ami Stéphane? On est en train de chronométrer le temps. Oui, on vérifie ça. Il y a 9 minutes et demie écoulées dans cette course. OK, qui est gagnant, là? Oh, on a un gagnant, là. Le 99 qui est gagnant. Oh, yeah. Qui est deuxième?
C'est... Quel numéro? 88? OK, donc, le gagnant de la course, le 99 de Julien Boulet.